donc le record en light. 7 upgrades à récupérer, donc c'est 7 grosses machines qui comptent. C'est Rufen en 1558, qui fait partie de notre communauté anglophone de l'UD, qu'on essaie, on essaye d'entretenir de façon bilingue, mais l'UD c'est surtout francophone pour l'instant. Donc félicitations à tous les anglophones qui écoutent ce live sans comprendre et qui sont contents de... juste participer à l'UD pour avoir une motivation de runner. L'UD, j'en ai parlé à beaucoup de runners anglophones, c'est ils adorent surtout en fait parce que c'est un bon prétexte pour faire du speedrun. Un des problèmes du speedrun, c'est que de temps en temps, on se retrouve à grinder tout seul dans son coin sans trop de motivation. Et donc ici, le runner en fait avait appris SteamWorld League 2 et puis s'était retrouvé sans tellement de compétition ou sans raison de runner juste autre que grinder le record du monde. Et donc là, il s'est remis dessus parce que bah, d'un coup, il y a toute une communauté, une nouvelle catégorie et plein de motivations qui viennent. Et donc, il a routé ce set upgrade de façon totalement émergente par rapport à l'intention initiale de la catégorie light. Alors en gros, il y a eu plusieurs routings. À un moment, momentanément, j'ai eu la première place. J'ai fait parce que j'avais pas mal joué au jeu en début de saison notamment, et j'ai proposé une route. Et j'avais dû faire 20-15 avec une exé bien inférieure à la sienne, hein, mais disons que c'était relativement propre par rapport à mon niveau, mais je pouvais faire 19. Et ensuite, il a interverti les deux derniers objets, et il a évité de farmer aussi dans l'optique du dark, et donc du coup ça rend une route light très intéressante, sachant que c'est son meilleur temps vidéo, mais il a fait un 15-20. Et en fait, lui comme Anxess s'accorde pour dire que le light on peut le faire en sub 15. Oui. Mais déjà, c'est en niveau exé, c'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'il a quand même le jeu dans les doigts et ça va être donc il était parti comme tu le disais en train de grinder le record du monde et c'est rigolo parce qu'à un moment il disait hier il a fait un 4-11 à l'eau, ce qui est un très très bon temps. Il aurait pu continuer sur le 1%, c'était une route World Record Pace, et il a dit ah non, je préfère continuer à grinder mes 150 points, on verra plus tard, parce que comme de toute façon le 1% et cette catégorie ont le même début, et c'est pour ça, ne vous découragez pas, le début de SteamWorld League, il faut imaginer, c'est vraiment le plus dur, il y a en fait le double saut à apprendre, il y a les skips, il y a beaucoup de choses, et une fois qu'on sait ça, il y aura de la mémorisation, un peu d'adaptation quand on creuse, si on n'a pas bien appris les setups, mais le début est quand même difficile et exigeant. Ouais, alors là il se fait peur, j'ai regardé le PB juste avant et il y a sa caméra et ses commentaires que vous entendez pas là, mais je vous encourage à refaire un visionnage après si vous voulez. Et donc il se fait peur sur l'escargot et donc il fait ah, parce que vous voulez pas mourir ici, sinon c'est quasiment c'est complètement la fin de la run. En race il va falloir jouer safe ici. Alors, suicide pour déçoir pas la ville. C'est ça, parce qu'évidemment on n'est pas censé passer par là théoriquement. Dans la première zone il y a un boss à tuer, on arrive au village par l'ouest et là ce qui se passe c'est qu'avec ce double jump on arrive à cette zone. On va ici, on est dans la zone de Yarrow qui est plutôt une des zones de fin du jeu. On voit bien d'ailleurs quand on arrive au village, tout le monde est réuni et ils sont posés dans une position un peu glitchée. Mmh. Ce qui devient la position normale pour moi, parce qu'à force de voir le speedrun, c'est la position normale. Et du coup, on va aller à l'endroit où normalement on a le feu, mais d'un point de vue game design, c'est la même chose, c'est un tuyau, mais c'est un feu, c'est pareil. Qui est à côté du drill qu'on aura, enfin Jackhammer dans le 2, qu'on aura du coup relativement vite. On a une idée, on a plein de mécaniques comme ça de checkpoints qui sont symbolisés par quelque chose, le tube de SteamWorld League, le banc de Hollow Knight, les feux de Unworthy, etc. Mais par abus de langage et par amour de Dark Souls, on va beaucoup dire des feux. C'est très gros. Voilà, la position glitchée dont tu parlais. Et là, il arrive à vendre tellement vite, je comprends pas comment il fait parce que. De temps en temps, on ne peut pas vendre, le jeu n'aime vraiment pas cette position. C'est beaucoup plus prudent de passer par la droite, c'est un chouïa plus long, mais on est quasiment sûr d'avoir une position. À gauche, c'est un chouïa plus rapide, le problème, c'est que si on le rate, ça peut aussi se rater à droite, vous me direz, mais ensuite, il faut sortir, on perd d'un coup 10 secondes, donc moi, je perds une demi-seconde pour me setup, être sûr, parce que sinon, c'est relou, quoi, t'es là, non, ils sont mal positionnés, ils ne veulent plus me vendre des trucs. Enfin, plutôt, je peux plus lui vendre mes machins. Mes cristaux, mes gemmes et tout ça. Alors, il part sur la strat du speedrun et pas du TAS, qui est la deuxième manière de creuser la plus rapide, mais qui est tellement plus simple. Je pense que sur ce jeu, je vais faire une petite vidéo YouTube sur juste les techniques de creusage. Ça s'appellera l'art de compter. Et du coup, ça sera en fait... les quelques instants, par exemple, là, le début, il faut creuser 1 à droite et 20 verticalement. Et donc si vous savez ça, en fait, si vous avez ces petits repères, mettez-les-vous en split ou en note, mettez les post-it autour de votre écran, vous allez gagner énormément de temps. Et comme les layouts dans SteamWorld League 2 sont fixes, à part la position du minerai, mais bon, ignorons la position du minerai pour toute l'optimisation du creusage, si vous savez ça, vous savez compter jusqu'à 20 et donc vous gagnez plein de temps.
L'autre aspect de SteamWorld Dig 2, c'est l'art de se suicider, hein, parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Là, pareil, il est sur la strat. Il y a deux strates ici. La strat la plus évidente, mais c'est marginalement plus rapide de passer en haut. Je sais quand que ça se le fait. Moi, je la mesure, j'ai gardé l'habitude de le faire, mais c'est un peu plus relou à apprendre. Mais c'est très marginal la différence. Mm-hmm. En tout cas. Je sais que dans le donjon, il y a un peu de temps à gratter, ce qu'au drill, il va pas faire l'ultra fast strat, mais qui est tellement dangereuse. Donc il va jouer un petit peu plus safe dans la deuxième partie du donjon. Alors, Maxiens qui demande comment on fait si on sait pas compter. Je pense que dans l'UD9, c'est très compliqué de pas savoir compter. Parce que beaucoup de jeux ont des aspects des repères visuels, de... ça encore, ça peut mais, non, mais enfin, Vectronome, je pense que c'est quand même important de savoir compter. Hollow Knight, il va falloir compter l'argent. Le joli skip ici. Ouais. Non, il le fait pas. Ouais, qui est raté. Et là, il se dit, mais en fait, j'aurais dû le faire. Et donc, il estime qu'il perd une dizaine de secondes. Je pense que c'est un peu moins que ça, mais ouais. Mentalement, et là, donc là, fait n'importe quoi aussi. Mentalement, c'est éprouvant de rater ce genre de skip parce qu'après, ça met dans un état où on se dit, j'ai raté des trucs, mais on sait plus forcément pourquoi. Là, je sais pas pourquoi il va d'abord récupérer. Je comprends pas pourquoi il va d'abord récupérer le minerai avant l'upgrade, parce que l'upgrade rend tout l'eau. Bah, justement, en théorie, ce qui se passe, c'est que là, il aura toute son eau, il va pas dépenser une barre d'eau, et pour creuser, en fait, il aura pas besoin de se. Ouais, mais ça, en fait, tu tombes dans un bassin d'eau avec le creusage optimal, et donc en fait, ça, pour moi, c'est une perte de temps de se recharger ici, mais je peux me tromper. Bah, moi, l'optimal, parce que en tout cas, la manette parenthèse, c'était de mettre le truc d'eau et d'aller faire l'upgrade pendant que ça redescend. Parce que du coup, c'était marginalement plus rapide, c'est un peu plus chiant. Parce que là, tu vois, il a une barre d'eau et normalement, ça suffit pour tomber dans ce bac d'eau et se recharger là, où il se recharge forcément obligatoirement. Donc, je sais pas. Mais après, voilà, genre de question mineure, hein, vraiment très très mineure. Mais en tout cas, tomber dans ce bassin d'eau ici, sur le creusage optimal, où du coup, c'est descendre le plus loin possible et ensuite descendre. C'est surtout à partir de là que son creusage diverge de beaucoup par rapport aux autres. Et maintenant, je suis passé sur sa méthode parce que je l'adore. Au lieu de se décaler de deux, se décale d'un puis d'un. Mm-hmm. Ce qui permet la remontée avec le hook. Le double grappin, ouais. Oh, c'est tellement facile, tu gagnes tellement de temps, enfin, c'est du coup des secondes au retour qui sont gagnées, donc je conseille aux gens de faire ça. Mais Max Kinas qui dit c'est pour se recharger moins longtemps, mais de toute façon il a dépensé du temps pour se recharger avant. Donc je pense pas que ça fasse gagner de J'oublie temps. J'oublie en fait de lui parler avant. Oui, on n'oublie pas de parler à Rosie, ouais. Moi je vends avant, ça fait quand même un petit gain, on a un bonus quand on passe des niveaux. C'est quand même, mine de rien, 5% ou 10, 5 ou 10% par niveau, donc c'est quand même significatif, 5% je crois. Alors c'est là aussi, pareil, on va avoir nos premiers vraiment hook jumps, ça consiste à faire justement des sauts et des doubles sauts, double jump, avec le hook, donc le grappin que l'on obtient ici. On appuie sur le grappin, et quand notre personnage commence à tirer vers l'avant, on a un élan qui est assez fort, et on va pouvoir le conserver si on fait un saut et qu'on lâche le grappin. Et on peut faire des sauts avec énormément de vitesse verticale, on peut sauter très très haut. Ouais, un truc qui est compliqué à avoir dans les doigts. Le runner là joue avec le clavier et c'est tentant hein, d'apprendre le jeu au clavier parce que ça permet de binder le saut sur 4 boutons et donc de faire en fait très rapidement 4 inputs de saut et donc d'être sûr d'avoir le mashing optimal. Donc n'hésitez pas, en tout cas n'hésitez pas à utiliser le hook partout aussi parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est à partir de là que dès qu'on a le grappin que ça peut devenir technique sur la micro-optimisation des mouvements. Pas sûr de savoir pourquoi il récupère dans la catégorie light ce minerai ici. Par habitude, hein. Peut-être que simplement. Ouais. Bah si, parce qu'il veut, c'est quand même ses 5 cœurs pour avoir les bottes. Il veut ses 6 cœurs même pour toute la zone de feu. Quand t'as les bottes, j'appelle ça les bottes de feu, tu gagnes quand même pas mal de temps. Ouais, mais on va regarder l'argent qu'il aura en trop à la fin. Cependant, en dark, prenez-le. Oui, en dark, évidemment, prenez-le, mais j'ai un doute sur l'argent parce que là, on va sortir à plus de 30 après ses achats ici. On prend aussi de la flotte de sécurité. On a 45, donc on n'avait pas forcément besoin là. Et il me semble que vu les minerais qu'il prend avant d'acheter le 6ème point de vie, il aurait pu s'en passer. Donc j'aime bien ce genre de détails parce que ça permet de se poser des questions. Là, à partir de là, c'est le plus compliqué parce qu'il y a des gens qui ont des habitudes de creusage optimal liées à l'Eni%. Mais en l'Eni%, on a un upgrade de Jackhammer de mémoire. Et je suis pas sûr que ce soit l'optimal soit strictement le même. Il y a des moments, j'ai l'impression que ça diverge. Et on peut creuser des fois sur la droite, il y a des spots assez intéressants, mais je pense que pour la catégorie light, et aussi pour la dark pour le coup, parce que c'est lié plutôt au all upgrades, parce qu'on est qu'avec le niveau 1 de Jackhammer, que j'appellerais souvent drill par commodité. Vraiment, je pense que
Ouais, y a encore des choses à trouver, parce qu'on peut perdre pas mal de temps, je pense. Les gens qui sont découragés dans le chat par la qualité d'exécution ici, dites-vous que si c'était pas capé à 150, je sais pas combien ça vaudrait ce temps-là, mais ça serait pas loin des 200, hein, potentiellement. Donc, c'est... ne jugez pas la difficulté d'une run par rapport à l'optimal, parce que sinon, c'est impossible, alors, évidemment. Il y a une strat plus rapide ici, c'est Killai, qui a une très bonne exé aussi, qui me l'a montré, mais simplement, tu te laisses tomber dans le feu, tu vas tuer le mec, c'est plus rapide que creuser. Il y a aussi la théorie d'avoir l'upgrade de grenade avant ici, et en fait en balançant des grenades elles explosent pas au contact de la lave. Vous pouvez lancer les grenades dans certains bassins de lave et creuser en dessous, et donc vous faire des recoins pour creuser plus droit. J'ai trouvé ça sur mon exécution. Il y a un endroit en particulier où on peut pas creuser parce qu'il y a un bassin de lave qui vous empêche et vous êtes obligé de faire un assez gros détour, et donc si vous mettez une grenade à cet endroit là il y a moyen de faire quelque chose. Le hook jump ici, on conserve, il aura une faire, on va conserver l'inertie, le momentum. Voilà, on se met tout en bas, un petit coup de hook, saut, et double saut. Et on peut ajuster avec le grappin si on va pas assez loin. Donc là il a évidemment 5 points de vie. Il est plus optimal ici de pas avoir les bottes. Ouais, parce qu'il va pouvoir faire le glitch de marcher sur les golems à la frame. Il suffit de faire un petit ressaut. Enfin, il suffit. Quand on parle de la frame, c'est pas si facile. Mais ça va lui faire gagner un peu de temps. Et donc, carrément, pour ça, il faut pas les bottes de Vidar. Ici, toc, ah ouais, avec un petit saut. Et moi, je perds du temps ici, perso. Hein. Ouais, j'ai tendance à me laisser. Je grappine et je perds plein de temps. Là, c'est pareil. Il prend ses 50. Il a calculé. Ah, ça se trouve, je n'avais pas besoin. Parce que voilà, techniquement, maintenant, il veut juste le dernier upgrade de vie qui est à 150 pour avoir les petites bottes. Du coup, là, il ramasse vraiment plein de trucs en. Oui, là, il déborde. Mais dans le dark, c'est très bien de fermer. On va dire oui, que évidemment. La route va diverger, surtout à partir de là. Parce que techniquement, on peut aller chercher l'armure avant. On peut aller chercher l'armure à ce moment-là, c'est pas un problème. Donc là, il finit à 89 de trop. Hein, donc il y a eu débordement. Et si vous voulez optimiser le light, je pense que le plus long, c'est les 30 sous le hook, mais pas forcément. Et le problème, voilà, c'est qu'il va chercher la grenade maintenant, qui était un, enfin ça c'est, ça ne changeait rien que vous alliez la chercher maintenant avec plus de vie ou pas. Et donc dans son record, dans ses commentaires, il dit je devrais faire la grenade avant. Et donc en fait, je pense que ça lui ferait gagner du temps au moins à un endroit dans le creusage et il y a moyen de l'utiliser à certains endroits. Le problème de la grenade, c'est que ça utilise de l'eau, donc évidemment il faut faire attention à ça. Le seul truc par exemple, mais c'est un peu de la micro-optimisation ou de la mémorisation, c'est quand vous allez, vous pouvez le faire quand vous voulez le grenade. Là dans ce routing, c'est intéressant de l'avoir avant le boss, parce qu'on peut facilement du coup le tuer en deux cycles, voire comme Giugino a posté ce matin en fait un autre setup pour le tuer en un seul cycle. Ce qui du coup commence à être vraiment, alors, vraiment très intéressant, j'en étais déjà convaincu, mais là je le suis encore plus pour le coup. Ah, là, le 1 cycle me garantit. L'autre, je trouvais qu'il y avait potentiellement d'autres routes possibles, mais le 1 cycle fait que c'est. La grenade est obligatoire maintenant, si vous voulez l'optimal sur le boss. Ah, c'est clair. Ça, une fois que t'as le setup, c'est beaucoup plus sûr qu'un 2 cycle où on sait pas où il va se TP, se téléporter. Le boss, ça peut être un peu problématique. Là, c'est pareil. Moi, j'ai un petit setup qui me fera gagner une seconde. Que j'ai une petite erreur au niveau du lance-grenade que je faisais. Pour casser les caisses un peu plus haut, donc je pense que c'est un jeu, quand on commentera des tournois et autres, on pourra avoir des joueurs, des joueuses de différents niveaux qui des fois ont des setups un chouïa plus rapide, et on se dit mais oui, pourquoi je fais pas ça, puis c'est une ou deux secondes de facilement gagnable, et c'est pas des gros skips, c'est juste des fois des manières de faire, parce qu'en général la force de l'habitude fait qu'on fait toujours les choses de la même manière. Ah ouais, pas mal ici, moi je grappine, c'est un peu plus... Là ça essaye de prendre les dégâts et de faire des wall jump dans les pics, ça galère un petit peu. Et non, il le fait pas. Et ouais, il fait. Donc là, mais ça c'est marrant parce que. Parce qu'on est beaucoup en fait à le faire comme ça. Ouais, moi j'avais pas compris en fait ce setup. Le rebond dans ma tête, le rebond faisait que c'était pas possible de faire comme ça, c'est rigolo. Mais c'est plus long, on peut le faire du bas du coup. Mais tirer vers le haut. Ça marche plutôt pas mal. Suicide évidemment, c'est pour ça qu'on ferme pas ici. Hein. Mm-hmm. Parce que retourner au tuyau, c'est un peu relou. Et là, c'est une zone où il y aura une grosse différence entre les gens qui. Ont le jeu en main et les gens qui l'ont moins, ces petits fire jump comme ça. Donc en gros, le personnage peut faire des sauts au moment où les pieds touchent, juste après, comme si c'était toc 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 toc. Le premier toc, c'est vos pieds qui touchent la lave, et le deuxième toc, c'est le saut. Ben, en tapant juste après le bouton de saut, votre personnage rebondit comme si c'était une plateforme. Ça marche sans les bottes de feu, vous pouvez le faire avec sans bottes de feu, mais vous prenez des dégâts par contre. Coup, ouais, donc l'upgrade des bottes de Vidar qu'on voit en haut à gauche, hein, qui dès que vous touchez la lave, vous met pas des dégâts tout de suite, ça décharge une résistance en fait, et vous allez prendre des dégâts beaucoup plus tard, ce qui vous permet d'être sûr de passer. Vous pouvez même passer sans, mais c'est quand même beaucoup plus risqué.
Et donc là, on va chercher l'armure ultra composite, et c'est ici qu'il y a sans doute la plus grosse divergence avec la route d'Arc, c'est qu'on va rien farmer, parce qu'on n'a pas à creuser dans les zones dures du type de Yarrow, dans cette catégorie-là, et donc on n'a pas besoin du Jackhammer niveau 3. Voilà, il va même pas prendre le 2, hein, ni le 2 ni le 3 d'ailleurs, et donc là c'est pour ça qu'il a pu se contenter de prendre juste les points de vie. Ce qui va changer si au niveau de vos routings, que ce soit en light ou en dark, c'est la gestion des cogs. Vous avez un certain nombre de... c'est les upgrades, en gros vous pouvez gagner des petits bonus sur vos différents éléments d'armure, et voilà, selon l'ordre dans lequel vous allez faire le jeu, là vous avez les bots, ça coûte 3, le drill quand vous l'augmentez ça coûte vite 2 plus 1 plus 2, donc vous en aurez besoin d'un certain nombre. La cachette de l'amélioration du grappin en donnait 3, mais si maintenant on le met tard dans la route, ça veut dire qu'on en a beaucoup moins. C'est aussi ce genre de petites considérations qui peuvent faire que ça peut être compliqué, d'autant que il y a plein de routings possibles, notamment en Dark, ça va s'ouvrir encore plus, parce que chaque objet gagné fait vraiment littéralement gagner du temps, et c'est difficile d'être, en faisant la somme de toutes les améliorations, de savoir ce qui est vraiment strictement l'optimal, mais bon. En tout cas, ça a l'air vraiment... c'est très bon pour le light et en dark. Il y a juste à inverser les deux derniers objectifs qu'on a vus et c'est déjà au moins une route solide. Alors là, ça n'utilise pas la grenade tout non. de suite. Mais je pense que c'est comme Anxious, pas l'habitude. Mais je crois pas que ce soit pas l'habitude. Je crois que c'est pas connaissance, en fait. Parce que Rufon a posté sur le Discord, mais ça devait être après avoir fait ce temps, le « Ah, mais ça fait des dégâts, en fait !» Du coup, c'est juste une ignorance des tricks. Et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder des records du monde et les temps des autres. Mais ça va quand même assez vite, hein. C'est 4-6, c'était bien fait, il a jamais hésité sur la position du boss. Mais moi justement, même avec mon petit niveau, du coup, bah, j'étais bien en dessous en termes d'exé, mais j'avais regagné plein de temps sur le boss. Bon, j'ai quand même terminé derrière parce que j'avais des portions qui s'étaient beaucoup moins bien passées. Mais là, effectivement, on devrait arriver assez rapidement sur cette catégorie, aux alentours des 15 minutes. Mais n'ayez pas peur, en tout cas, là c'est fait par quelqu'un qui était en train de s'entraîner pour prendre le record du monde sur les 10%, qui est la catégorie classique du jeu. Donc en gros, c'est pour ça que le niveau est là. Hein. C'est pas quelqu'un qui a découvert le jeu avec l'UD, rassurez-vous. Si vous trouvez le jeu difficile, c'est normal. C'est à la fois un jeu accessible quand vous y jouez de manière occasionnelle la première fois, mais en speedrun, il y a beaucoup de micro-opties et de choses à mémoriser. Donc pas d'inquiétude, ça viendra en juin. Et de toute façon, là, pour valider 150 points, il n'y a pas besoin... C'est 25 minutes, hein, il n'y a pas besoin de faire 16. Hein.